Dieu, viens à mon aide. Joseph et Marie portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Loué serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur. Béni soit le nom du
pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici la lumière, Dieu se révèle aux nations, Jésus la gloire d'Israël. De l'Épître aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume : Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le vieillard portait l'enfant, mais l'enfant guidait le vieillard. Et Marie, la Vierge Mère, adorait celui qu'elle avait mis au monde. We are the species.
toi qui es lumière pour le monde, suscite la foi au cœur de tout homme. Toi, la gloire de ton peuple, fais de l'Église le signe du salut offert à tous les hommes. Toi qui as mis au cœur de Siméon le désir de te voir, viens au devant de ceux qui t'attendent sans le savoir. Toi qui as associé ta mère à ton offrande, souviens-toi de ceux qui communient à ta passion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.